Eh bien, salut tout le monde! On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur W2K20. Aujourd'hui, enfin, au moment où vous verrez cette vidéo, parce que moi, au moment où je la tourne, eh bien, on est vendredi. Dimanche à lundi, à minuit, parce que ça commence une heure plus tôt, pour ce pay-per-view Fastlane. N'hésitez pas à aller le voir, parce que parmi tous les matchs que je vous aurais proposé aujourd'hui, quasiment 90% des matchs, je pense, à part le match par équipe féminin qui me tente vraiment pas du tout à faire, eh bien, tous les autres seront faits. Pas de kick-off annoncé, là c'est Apollo Crews face à Biggie pour le titre. Oh non, j'ai oublié. C'est pour le titre, je l'ai pas mis. Bon bah c'est pas grave. Vous savez quoi? Qu'importe qui va remporter le match, que ce soit Biggie qui conserve le titre ou Apollo Crews qui va le récupérer, parce qu'après tout ce temps, voilà, à un moment il l'a eu, à un moment il l'a plus. Vous vous rappelez de tout ça? Eh bien, je l'ai pas mis en jeu. Vous m'excusez? Vous me pardonnez? Allez, si vous me pardonnez, n'hésitez pas, votre petit like. Merci à tous les petits loups. Voyez que sinon, je devrais vous faire ça. D'une, ça va vous faire mal. Et de deux, physiquement, je suis pas capable de le faire. Ça veut dire qu'il faut que je m'entraîne. On va souffrir tous ensemble. Alors, ça vaut pas le coup. Ne partons pas fâchés. Ça n'en vaut pas la peine. Attention. C'est vrai que dans le jeu... comment il s'appelle? Apollo Crews a une note de 76 de général qui est très très basse. Je pense que dans le prochain, il aura une note beaucoup plus haute. Là oui, c'est pas ouf. Et vivement, encore une fois, j'aime bien parler un petit peu de tout et n'importe quoi dans les combats. Mais là, j'ai pris Apollo parce que pour moi, il va remporter le titre. Hein, je vous l'ai pas dit, mais vous l'avez deviné. Vivement, 2K22. Parce que c'est vrai que là, ça fait 2K20, ça fait 2 ans qu'on le fait. Ça me dérange pas. Hein. Je fais mes petits matchs. Vous les aimez bien, généralement. Merci à vous. Ça m'amusait tout de faire vos combats. Oui. À la base, j'ai sauté une deuxième fois, mais ça voulait pas. Mais vivement. Parce que là, un petit 2K22, je pense que là on est au mois de mars, quasiment avril. Les news vont commencer peut-être à pop d'ici le mois de mai. Peut-être pour savoir qui sera sur la jaquette, etc. J'avoue, moi, l'année passée, je t'aurais dit, je vois le film tout de suite, tu vois, avec Edge, pour le collector par exemple, en mode, c'est lui qu'on aura en mode showcase. Ah, ça aurait été génial. Mais maintenant, ah, ça fait deux fois qu'il m'a fait celle-là. Je sais plus vraiment. Beaucoup de personnes mériteraient. Après, comme je dis assez souvent, il faut une personne qui, une ou plusieurs bien sûr, hein, qui réussisse à donner envie aux gens d'acheter le jeu. C'est bête, hein, mais faut que ce soit une personne populaire. Et maintenant, par exemple, Roman Reigns, c'est une très bonne idée. Sauf qu'il a déjà été là avec Becky Lynch. Ok, il était pas tout seul, mais t'imagines deux jeux, 2K20 et 2K22 avec Roman Reigns, les gens vont pas forcément adhérer. Enfin, les fans, ils sont contents. S'il y a du Roman Reigns, c'est bien. Après, d'autres personnes, pourquoi pas. Enfin, Drew McIntyre, c'est que ça mérite beaucoup. Qui pourrait être là aussi? Moi, je dis le Fiend, encore une fois, ça serait vraiment bon. Est-ce que je peux esquiver une deuxième fois? Voilà. Mais non, mais... Je viens de voir qu'on peut le faire à l'infini, j'ai l'impression. Combien de temps Apollo Crews peut tenir? Viens là. Mais de toute façon, par rapport à ça, je ferai une vidéo. Comme d'hab, hein, tous les ans, généralement, je vous dis, à votre avis, qui sera la superstar qui pourrait être sur la jaquette? Et vous avez très très souvent des bonnes idées. On verra ça. Attention, l'esquive. Deuxième. On esquive encore. On va esquiver encore? Ah non, d'accord. Et boum! Parle sur la troisième corde. Ça fait quand même beaucoup, hein. J'ai rarement vu une superstar, enfin, quand je joue moi, bien sûr, avoir autant d'esquives quand on les envoie sur les cordes. Oula, descend du coude, attention, ne te blesse surtout pas, parce que se blesser, ça fait mal. Ça paraît logique, mais dites-vous bien que ça aussi, ça fait mal. Voilà. Bah alors, on a mal, on souffre. Allez, monsieur l'arbitre, calmez-vous. Allez, arrête de bouger. Ah, oh là. Je sais pas si non, je crois pas qu'il m'a... Aïe, 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 ba. Monsieur l'arbitre, comptez plus doucement, s'il vous plaît. Attends, juste de faire ça. Ah, mais il s'arrêtera donc jamais. Monsieur l'arbitre, arrêtez de compter. Stop. Arrêtez de compter, s'il vous plaît, monsieur l'arbitre. Voilà. Laissez-le revenir sur le ring. C'est tout ce qu'on veut. Ta tête entre mes cuisses. Attention. Oh là là, ça fait mal, ça. En plus, j'aime beaucoup Apollo Crews parce que c'est... C'est une superstar que j'ai rencontrée. Biggie aussi, mais c'était beaucoup plus rapide. Apollo Crews, voilà, j'ai fait une petite interview de lui qui est disponible sur la chaîne. N'hésitez pas, vous tapez interview Apollo Crews, Monsieur Coty ou juste Monsieur Coty Apollo Crews.
Je pense que vous pouvez facilement la retrouver. Il était très très gentil. Vraiment, quand tu le vois, je dis pas encore une fois que des super saiyans ne le sont pas. Mais des fois, quand on rencontre une, bah t'as l'impression qu'elles sont pas là. Enfin, elles pensent tout de suite à... Plus vite elles ont fini, mieux c'est pour elles, tu vois. Mais Apollo, moi j'ai trouvé très très sympathique, très gentil, assez ouvert. Du coup, bah, je l'apprécie. Ça fait assez longtemps que je vous en parle. Non mais, reste au sol, Biggie. Je t'ai dit quoi, reste au sol, laisse-moi... Enfin, le spécial, mais... J'y arriverai pas. Viens là. Non, tu sais ce qu'on va tenter. Si t'as pas envie... Hop là. Le petit paquet. Est-ce qu'il va fonctionner? 1, 2... Ah, je me disais bien... Attends. Reste au sol, s'il te plaît. Reste au sol. Reste au sol. Mais non. Parce que le problème, c'est que si je le contre, eh bien, je passe tout de suite avec le finisher. Je voulais faire le spécial, mais à voir... tu sais, quand le spécial ne veut pas fonctionner, il ne veut pas. Après, là, c'est Biggie qui en profite, tu vois. Oh, mais qu'est-ce que... Wow. Il a fait une course... bizarroïde, on va dire. Ah, j'aurais peut-être dû mettre ça avant. 1, 2, et bien sûr, simplement 2. C'est le grand spectacle, hein, monsieur l'arbitre. Ne l'écoutez pas quand il vous dit de taper plus vite. Vous avez tapé magnifiquement bien. New, décès pas bien. Oh, j'ai pas contré. Aïe. Est-ce qu'il y a un deuxième compte, peut-être? Oh, est-ce que je peux fuir? S'il vous plaît, monsieur l'arbitre. 1, 2, et oui, simplement 2. Alors là, si tu dis taper plus vite, il a tapé beaucoup plus vite que tout à l'heure. Ah, on va se calmer deux petites minutes là. Voilà, je vous parle, j'essaie de faire le spécial à tout va. Et comme par hasard, je me fais avoir. Alors, on va travailler un peu ses côtes. Tiens, hop là, c'est le finisher. Peut-être qu'avec lui, on va pouvoir en finir vite fait d'un coup. Allez, j'ai appuyé sur rond, mais. Voilà, on fait la petite pause. Oh yeah! Tiens! Attention, c'est parti! Le train, le bulldozer! Oh, c'est magnifique! Oh! Deuxième service! Attention! C'est fini! Oh, mais non! C'est même pas fini! Ah, ce qu'il nous a montré là! On transpire beaucoup! Oh, Murphy! Pourquoi pas? Ah, mais non! C'est pas ça que je veux! Moi, je voulais faire le spécial! Et ils vont tout faire! Pour que le spécial ne passe pas. Ah. Mais non. Ouh. Oh, ça pique. Démonstration de force. Non mais aïe. On va se calmer deux petites minutes. On va se reposer, s'il vous plaît. Biggie. S'il vous plaît, calmez-vous, Biggie. Bah ouais, regarde, je suis dans les vapes. Après, ce qu'il vient de me mettre. 1, 2. Ouh. Ça fait 3 fois qu'on fait simplement 2. La prochaine fois, je pense que ça ne passera pas. Je vous le dis très... Clairement, c'est bon maintenant. On fait le spécial. Merci. Voilà. Ça, c'est ce que je voulais faire depuis tout à l'heure. Merci le jeu de m'avoir laissé réussir ce spécial pour le montrer à ceux qui ne le connaissent pas. Attention. Oh, magnifique. Mais par contre, c'était pas le finisher qu'il devait faire. Non, reviens là. On sait tous qu'est-ce qu'il fait. Là, c'est comme les boxeurs qui t'agrippent, tu vois. Non, c'est pas ça. Arrête. Les boxeurs qui agrippent tout simplement pour gagner du temps. Non mais... S'il vous plaît. Monsieur l'agent. Bah oui, je savais que t'allais me contrer. J'étais sûr. Attendez. On va quand même assurer le coup, parce que s'il me contre et qu'après il met 3 de tension pour essayer de me remettre sur le ring. Allez, normalement, tu rentres facilement. D'accord, tu te prends rien d'autre. Merci. C'était limite, hein. Quand tu voyais là où est-ce qu'il était... Voilà, mais là, il en peut plus. Allez, Biggie, je veux dire. Non. Allez, Apollo Crews. Voilà, là, tu charges. Et tu changes pas tes techniques. Tu la gardes. T'es prêt? Mais non, c'est pas possible. Oh, ça fait mal. Tu vas le payer. Et voilà. Là, moi, je te le dis... Non, te relève surtout pas, s'il te plaît. Non, mais dis-lui pas de se relever aussi. Après, il va t'écouter. Ne l'écoute pas, Biggie. Ne l'écoute surtout pas. C'est magnifique, ça. Allez, vas-y. Vas-y, Biggie. Vas-y, Apollo Crews, qu'est-ce que je dis, moi? Je vous le dis. Je confonds tout. C'est la fin.
Est-ce qu'on va réussir à le soumettre? C'est peut-être le moment, tu vois. Les tombées, ça ne passe pas. Les spéciaux finishers non plus. Ah, j'ai fait une erreur. Aïe, 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 c'est mort. L'erreur aurait été, malheureusement, de faire un mauvais revirement. Ça, c'est contré, bien sûr. Allez, vas-y. Tac, tac. Tac, tac. Voilà. Tu fais la prise, tranquillement. Ah, je dis tranquillement, Apollo. Oui, c'est beau, ça. On a récupéré son finisher. Yes, yes, yes. Ça, on le met au sol. On récupère le genou à terre. On récupère toujours plus vite. Et normalement, là, on va même pas attendre de maintenir. On l'attrape. Hop, viens là, t'es prêt. Oh, en plus, on le soulève. On fait le finisher qui est différent. Ça, c'est beau. Après tant de combats. Oh là là, mais celui-ci, il est beaucoup mieux que le premier. On valide. Normalement, c'est fini pour Biggie. Il se relèvera pas. Apollo Crews, vainqueur. Et c'est le nouveau champion, bien entendu. Sauf que, comme je vous l'ai dit, j'ai oublié de mettre le titre en jeu. Mais ça, c'est pas grave. En espérant que vous ayez passé un bon moment. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit like. Et puis sinon, je vous dis à la prochaine. Portez-vous bien. Et puis c'est tout. Allez, salut.